Cette histoire, c'est l'histoire du peuple des glaces, un peuple nomade qui vit en harmonie avec la nature. Presque toute l'année, ils vivent dans la neige et le froid. Proches des plantes et des animaux, certains ont des pouvoirs magiques, comme Aya et Elia. De jeunes frères et sœurs ayant hérité des pouvoirs transmis de génération en génération de leur grand-père, l'ancien vieux chaman. Ils ont ainsi découvert et développé, assez tôt, leur capacité à pouvoir parler avec les animaux. Chaque été, lorsque la neige a presque complètement fondu, le peuple se rend sur un célèbre lieu mystique, un majestueux chêne sacré. Ils y rencontrent les autres clans du peuple nomade. Ce lieu de fête se situe juste avant la frontière du territoire des glaces. Peu de personnes se sont aventurées au-delà de cette frontière, mais l'ancien vieux chaman a formellement interdit son peuple de s'y rendre, à cause de sa dangerosité. Pendant 2 mois, les différents clans du peuple des glaces font la fête, jour et nuit, autour de l'arbre. Lui adressant toutes sortes de rituels et offrandes pour l'honorer, ils en profitent également pour actualiser les cartes de leur territoire, ainsi qu'à s'échanger de nombreuses autres découvertes. Ils puisent tous les jours la sève du chêne afin de réaliser une délicieuse boisson magique qui leur donne des forces tout l'hiver durant. Lors de la dernière fête du grand chêne, Aya a trouvé au creux de l'arbre mystique un bébé renard tout apeuré. Comme il pouvait communiquer avec lui, il lui demanda son prénom. Le petit être s'appelait Léonard. Aya le rassura et lui conta toute l'histoire de son peuple et de sa vie. Voici ce qu'il lui raconta. Suis-moi dans les sous-bois, la neige brille sous nos pas. Regarde autour de toi, c'est le pays des glaglas. Ici, du bonheur des amis, de la féerie. Viens visiter mes terres, mon clan, ma vie au sein du peuple des glaces. Tout le monde y trouve sa place. La nature est notre mère, notre sous les aurores boréales, sa magie baigne dans l'air. Prends place dans la toundra, ouvre ton cœur à Gaïa, c'est elle qui te guidera. Le début d'un signe, l'équilibre de la vie, ce cadeau magnifique. Viens visiter mes terres, mon clan, ma vie, au sein du peuple des glaces. Tout le monde y trouve sa place. La nature est notre mère, notre Ilia, sous les aurores boréales, sa magie veille dans l'air. Alors tu vois, c'est pas génial ici? Il y a de la place en plus, tu peux rester, y'a pas de problème. Allez viens, tu verras, on va trop s'amuser. Allez, la peur, ce n'est que le début.